Ça y est, le Paris Saint-Germain a déjà prévu son plan pour remplacer Kylian Mbappé. Comme il a déjà annoncé qu'il va quitter le club à la fin de la saison, il a annoncé au président du club Nasser Al-Khelaïfi, il a aussi annoncé à ses coéquipiers à l'entraînement. Donc finalement, le Paris Saint-Germain se prépare déjà à le remplacer. Pour cela, le Paris Saint-Germain a prévu d'acheter trois joueurs. Premièrement, on a un attaquant, et un milieu de terrain et un défenseur central. L'attaquant, au niveau de l'attaque, le Paris Saint-Germain a prévu de faire une grosse offre pour Victor Osimhen qui est en difficulté au Napoli là-bas. Donc ils ont prévu de faire une grosse offre pour lui. Et la seconde option au niveau de l'attaque aussi, c'est Mohamed Salah aussi, qui est aussi convaincu par les équipes de l'Arabie Saoudite. Et qui donc aussi Liverpool retient énormément là-bas aussi. Au niveau du milieu de terrain, leur choix s'est porté sur Joshua Kimmich, le milieu de terrain de Bayern Munich qui n'a pas encore renouvelé son contrat. Donc ils veulent renforcer le milieu de terrain pour qu'ils soient encore plus compétitifs. Sachant même s'ils ont déjà des joueurs tels que Zaire Emery et autres, mais ils veulent encore renforcer davantage donc le milieu de terrain. Et au niveau de la défense, donc leur choix s'est porté sur le jeune défenseur de 19 ans de Lille qui est Hierro, qui est même converti par des clubs tels que le Real Madrid. Donc le Paris Saint-Germain aussi ne dort pas, il se prépare aussi pour remplacer Kylian Mbappé, comme ils savent déjà que Mbappé va, peu importe leur offre qu'ils vont faire, il va partir à la fin de la saison, il se prépare déjà pour la saison prochaine aussi et pour essayer de rester compétitif et tenter toujours de gagner la Ligue des Champions, même si, au cas où il n'arriverait pas à la gagner cette saison.